Et bien salut tout le monde, c'est Kimmer9 pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Forza Horizon 3 tout le monde pour une vidéo défi où en gros je vais être défié par mes abonnés. Je m'explique. Sur Forza Horizon 3, on a la possibilité de créer des défis collector. Les défis collector peuvent être faits par à peu près tout le monde, tu peux le créer le tien et tout, c'est génial. Et en fait, sur le Discord tout simplement de la chaîne, j'ai demandé aux abonnés qui y sont s'ils pouvaient créer des défis collector. Et là, c'est là que le génie arrive, les gens. C'est que tout simplement, je vais mettre en place un compteur en fait dans la vidéo. Je vais avoir 3 essais pour réussir à battre ou à tout simplement réussir leur défi collector. Et au bout d'un moment, on verra à la fin de la vidéo si je gagne ou si ils ont gagné tout simplement. Donc ça va être assez, ça va être cool. Ça va être cool. Donc tout simplement, là on va commencer par, je crois, non mais je l'ai déjà mis. Je l'ai déjà mis. Mark Lamborg. Mark Lamborg, il est ici, son défi collector lancé par PP Mark Lamborg. Qu'est-ce que c'est que cette merde? PP Mark. Attends, mais il ne fait plus partie du club. Ah bah ça ne marche plus. Donc, le défi collector de Buff Triton. Qui est un vrai. On va tout de suite aller se TP. Lâcher le démon. Sérieusement? Lâcher le démon? Ah oui! Avec la Dodge Challenger. Faites déraper la Challenger 2015 dans la zone de drift en moins de 1 minute 40. Oulala. Allez, est-ce que tu l'as laissé probu? Est-ce que tu l'as laissé probu, mon petit bœuf? Ah, par contre, t'as laissé la musique. Par contre, normalement, je crois que j'ai sa peinture à lui, en fait. J'avais coupé vite fait la musique du jeu, hein. Oh, le réflexe de Need for Speed, j'étais en train de chercher la touche du nitro, vous savez. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah ouais, par contre, ah ouais, mais 50, alors moi, j'ai jamais, mais je n'ai jamais réussi. Merde, je n'ai jamais réussi à battre. En fait, c'est quoi la touche pour changer la vue? Tournez à droite. Moi, les voitures propues, faut vraiment que je les prenne. Oh, je trouve plus la touche. C'est malheureux. Oh, c'est malheureux. Ah, c'est triste. Déportez-vous sur la droite. Le problème c'est que ce défi collector, il faut que je le faire en manuel. Sauf que moi le manuel avec une manette, j'y arrive pas. C'est la merde. Faut que je refasse ce défi mais avec un volant, c'est pas possible. Moi je peux pas. Moi je peux pas jouer en manuel avec une manette. Je sais pas comment les joueurs font, mais moi je peux pas. À la manette, c'est dégueulasse. Quand t'as touché au mode manuel avec un volant, tu ne peux plus jouer en mode manuel avec une manette. Enfin, c'est comme ça. Bon, bah écoute. Je peux pas. Hein. Là, tu vois, fallait rétrograder à fond, tu vois. C'est comme ça qu'on drift. Il faut rétrograder. Là, c'est pas en troisième qu'il me faudrait. Ah, fais chier. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. C'est dégueu. C'est royalement dégueu. Ton défi est dégueu. Voilà, personnellement, je le dis. Faites demi-tour dès que possible. Bon, bah, j'ai perdu. Oh non. Ah, et maintenant, il veut que... Mais... Nouveau défi. Zone de drift. Ils ont un problème avec ça. Accélérateur dangereux. Pourquoi? Oh putain, une BRZ! Voyons voir, faites déraper la Subaru BRZ Horizon dans la zone de drift en moins de 1 minute seconde. Accélérateur dangereux. Pourquoi il a appelé ça comme ça? La BRZ est une voiture propulsion de base. Voyons voir. Par contre, c'est chiant ça. S'il vous plaît, si vous faites un défi,
Ne me mettez pas la musique en fait, ça me fait juste royalement chier, surtout au montage. Ah, elle a vu cockpit. Ah, il me comprend lui. C'est bien, allez hop. À 400 mètres, tournez à gauche. Il y en a des radios inutiles. Bon, allez, c'est parti. Tournez à gauche. Oh putain, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas touché du Forza, les gars. J'ai pas l'habitude d'être de ne pas être tenu par la main en fait, je crois que c'est ça. Je reviens contre toi, une force pile. Mais bon. Oh là 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 là, la vue cockpit, ça fait plaisir. Y'a pas la vue cockpit sur Need for Speed. Ah, c'est le kiff. En plus, dans une Subaru BRZ, quoi, les gens. Voilà, c'est ça qu'on veut, Philippe. Oui. Ah. Bon là c'est pas du gros mais bon. Ah là je kiffe. 25 000 points. Je vais perdre hein. Alors moi les drifts sur Forza les gens. Ah c'est pas ici. Ça mais c'est vachement loin son épreuve. Il faut que j'aille au fin fond de l'Australie pour aller chercher son épreuve drift. Restez à droite. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Oh là 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 là, le compteur de vitesse rouge sous la roue. Magnifique. Quoi? J'ai déjà plus de temps. Mais c'est pas sérieux. Mais c'est quoi ce défi? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Il faut que je passe par la route, il faut que je ruse, il faut que je fasse quoi? À 400 mètres, ben, j'ai pas le temps. À 200 mètres, tournez à gauche. C'est abusé, j'ai été... J'ai été piégé, oui clairement j'ai été piégé. Donc en gros faut pas que je m'amuse à drifter sur le trajet quoi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors que j'ai une voiture japonaise, une Subaru BRZ, que je suis en vue cockpit. Franchement. Allez où la rouge là-bas? Ok. Allez la VRZ, allez la VRZ. À 400 mètres, déportez-vous sur la droite. Ah non mais t'as pas le temps. Hein. À 400 t'as pas mètres, le temps Kimi. Je peux pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ça passe. Restez à gauche. Ok, on a réussi. Hit pour le moment, tu es mon préféré. Tu m'as mis une Subaru BRZ, la vue cockpit. Après, je sais pas si c'était de base, mais comme je l'ai changé, je sais pas. Mais voilà. Bon, par contre, va falloir arrêter avec le drift. Il y en a marre. Je ne peux pas drifter en manuel. Les drifts en manuel sur Forza, enfin en automatique sur Forza, c'est dégueulasse. Clairement, ça ne se fait pas. Et pourtant, ben voilà, et pourtant, il y en a qui essaient, moi aussi j'essaie. Mais je sais très bien que c'est dégueulasse. Enfin, voilà. Tu driftes en manuel. Et en japonaise. Alors là, tout le monde, second défi collector, proposé par Heat Timber, encore une fois. Ça penche. Je pense... Oh putain de bordel de merde. Oh non, Roger, la destination au volant de la Reliant. Attends, c'est la Super Van, je crois. En moins de 4 minutes 20. Alors, la Reliant. Oh putain, cette musique.
vous plaît, ne mettez pas les musiques. Oh putain. C'est affreux. Oh non. Mais il y a des hand spinners sur la... Oh non. Il est pas sérieux. Oh, il a même pas mis les... il a pas mis les roulettes. Attends, on va couper tout de suite là. Voilà. Il y a une... Ah oui. Ah bah oui, mais c'était ça la touche. Voilà, c'était bien désactivé. Oh là 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 là, rebion. Ah putain. C'est la mort. C'est la mort. Alors pour info, cette voiture a trois roues. Hein. Ce qui ne... Putain, qui me garde. Mais c'est pas sérieux. Ah. C'est juste pas possible, bordel. Oh là là, mais non. Vas-y, vas-y. Bon. On coupe, hein, on se la joue. J'allais dire 4-4, mais. Non. Enfin. 3-3. Je sais pas. C'est pas possible. Rome 1. T'es sérieux? Mais non. Bonjour. Oui, bon, il s'appelle Rome 1. Arrête, saleté. Je pense même pas qu'on puisse appeler ça une voiture. C'est un bateau, mais c'est pas possible. Voilà. Le secret, c'est de freiner, c'est ça. Regarde. Ouais, le secret, c'est de freiner, ouais. Ouais. La force centrifuge, toi-même, tu connais. Là, doucement, ligne droite. Ouais, le secret, c'est de freiner. Est-ce qu'il a... Oui, oui, dans la logique, il a réussi lui-même. Ouf. Ok. Il aurait pu mettre les petites roulettes sur le côté. Aïe, aïe. C'est impossible. C'est impossible. Putain, il a mis des spinners tout le côté. Mètres, tournez à droite. Oh, le fou. Ça tourne mal, je peux dire. Pardon, excusez-moi. J'ai fini dans votre jardin, mais c'est pas... C'est pas de moi. Tournez à droite. Allez, vas-y. Ah! C'était un arbre. Oh là là, non mais attends, mais le pire c'est que là, le pot il craque, tu vois, il crache le pont, tu vois. Genre, cette voiture est puissante. Oh l'eau! Bon, mon monté l'ennemi! Ah! Et oui, on n'est pas sur Need for Speed. Il y a de la physique. Et... Oh, ça parle mal, putain. En vrai, tu peux pas comparer Forza et Need for Speed. Y a pas le même but derrière. Ah! Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on est d'accord. À 200 mètres, tournez à droite. C'est vraiment... Je pense que c'est l'épreuve la plus palpitante qu'on m'ait proposée sur Forza. Doucement, on va essayer de... Voilà, des petits coups d'accélération. Pas de panique. Tournez à droite. Ah mais là, non, en fait, là, va vraiment falloir commencer à paniquer, en fait, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Tournez à droite. Freine. Le but étant de pas se retourner et d'accélérer que dans les lignes droites. Voilà. Doucement. À 400 mètres. Alors, des petits coups d'accélération, des petits coups d'accélération, oh, des petits coups, on t'a dit, des petits coups du coup, voilà. Voilà. Restez à droite. Parfait. On reste à 100 mètres, vous arriverez tout à destination. Magnifique. Ouh. Bah voilà. 1-2. Du coup, c'était une très bonne voiture, la Reliant. Personnellement, j'apprécie. J'apprécie énormément cette voiture, voilà. Alors... Need for Speed Payback numéro 1. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que... Oh, je crois que j'ai deviné. Voyons voir, Need for Speed Payback numéro 1. Quand j'ai eu la destination, voilà, Nissan GT-R 2002. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est aux couleurs de Need for Speed Payback? Oh, la musique, c'était vraiment pas obligé, hein. Elle est sympa, la musique, en plus, j'aime bien. Bah oui, bah oui.
Par contre, les petites Forza, ça colle vraiment très très bien. Au rond-point, prenez la première sortie. Bon, bah écoute, c'est sympathique. À 400 mètres, tournez à droite. Pardon. Ah, je l'aime bien. Je dois vraiment passer par là. Bon. C'est le chef, hein. Je n'ai vraiment pas assez joué à... à Forza avec cette Nissan. Je crois que c'est peut-être la seconde fois que je joue avec, à Forza avec celle-là. Et franchement, j'aime bien. Ah bah oui, l'arbre, bah oui. C'est comme ça. Eh, en vrai, tu couperais pas. Franchement. En plus, j'ai l'impression qu'il faut couper. Je dirais pas qu'il a essayé de nous avoir, mais clairement, il faut couper. Ouais, clairement. Bon, bah voilà. Un autre défi de réussi par votre serviteur, Kim Huer 9, magnifique. Comment je m'applaudis. Là, je m'applaudis. Eh ben, course suivante. Ben, écoutez, comme Cheat Code nous a proposé Need for Speed Payback 1, pourquoi pas Need for Speed Payback 2. 1. Ah ouais, d'accord. En fait, il a repris les musiques, enfin non, pas les musiques, les voitures du trailer, enfin du début de Need for Speed Payback, de l'intro. D'accord. J'aurais dû faire cet épisode plus tôt, ça aurait fait une bonne introduction. En tout cas, excellente idée, Cheat Code, hein. Excellente idée. Faites moins pour la musique. Ah ouais, mais carrément, il y a la décoration sur les voitures et tout. Faites demi-tour, dès que possible. Alors, excuse-moi, j'enlève, voilà, le groove musique, mais personne n'utilise. Bon bah écoute, c'est parti, hein. J'espère que je vais réussir. Eh mais il y a de la distance. Waouh. J'ai presque 2 minutes pour faire ça. Tournez à gauche. J'espère que c'est le rond-point le là où je dois aller parce que sinon j'ai pas le temps. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Où est-ce que tu m'emmènes mon petit cheat code? Où est-ce que tu m'emmènes? Restez à gauche. Est-ce que je vais avoir le temps? Je pense que je vais avoir le temps. J'espère. À 400 mètres, tu vois, sur la fin, il y a le virage prêtre. Restez à gauche. À 400 mètres, déportez-vous sur la gauche. Souple les suspensions. Restez à gauche. Ah, quand je parlais du virage prêtre. Tournez à droite. Allez. Allez. Ça sent pas bon, esquive l'arbre. Oh, j'ai réussi. Oh, putain, oui. Ah. Fallait tourner sur la fin. Hein. Clairement. Hein. Les mecs, ils font des petits trucs fourbes. Hein. Si vraiment tu passes par la route, c'est mort. Les mecs veulent m'avoir. Mais pour l'instant, je gagne. Hop. Bon, et bah tout le monde, Need for Speed Payback numéro 3, j'imagine que vous l'aurez deviné. Ah bah, bien évidemment, la BMW, sauf que c'est une M2, et dans Payback, c'est une M5. Bon, la M5 n'est pas dans dans Forza, puisqu'elle n'était pas encore sortie, ce qui est normal. Alors, on fait péter tout ça,
La M2 a un charme, j'aime bien. Faites demi-tour dès que possible. Oh, il a laissé propu. Et voilà, je suis un conducteur de BMW. Euh, 257 km/h. On va essayer. Allez, allez la BM, monte. Faut que tu montes. Attention. En fait, ça va jouer un petit peu, quand même un petit peu technique. Parce qu'il y a de la circulation, mine de rien. Et dans Forza, la circulation, elle fait chier. Le bus. Voilà. Ouh. En fait, du moment que tu comprends que la BMW, elle va être un petit peu chiante avec sa propu, et que tu comprends qu'il faut pas faire des gros coups de virage, c'est bon, tu t'en sors. En tout cas, le bon défi, cheat code, merci d'avoir participé à la vidéo, ça fait plaisir. Puis le clin d'œil à Need for Speed Payback était tout simplement magique. Alors, encore du cheat code, mais là par contre, je sais pas quoi, sans une égratignure, Need for Speed Payback numéro 4. Me dis pas que, sachant que ça a été fait genre avant Need for Speed, il va me passer la Nregera. Pas du tout. McLaren P1. Attends, mais il faut que je... Il faut pas... Sans une égratignure. Ça sent pas bon cette histoire. Il a laissé propu. Sans franchir la limitation de dégâts. Il a laissé propu. Oh putain. Et en plus il pleut. T'es un fourbe mon gars. Mais maintenant ils me disent de faire demi-tour. J'ai déjà diminué la voiture. Merde. J'ai même pas remarqué. On va faire gaffe. Ah, et quand même, jusqu'à la plaque d'immatriculation avec écrit Payback derrière, je l'ai pas remarqué. Il y a une voiture devant, Kimi. C'est dangereux. Au rond-point, prenez la quatrième sortie. Moi, je les prends à la française. Voilà. Tu comprendras. Faites demi-tour, dès que possible. Je fais pas demi-tour, je vais jouer. À 400. Ah ouais, mais attends, monsieur. Monsieur, je n'ai pas le temps. 12 secondes pour faire ça. Explique-moi. Hein? Mais what? Écoute, on va pas se faire avoir. Voilà, direction par là. À 400 mètres, tournez à gauche. Ça se trouve, le jeu est en train de me faire passer par une route. Ah, fait chier. Bon bah là, c'est mort. Le jeu me fait passer par une route à mon avis qui est plus longue. Oh là là, c'est beau ça quand même. La P1. Qu'est-ce que j'aimerais monter dedans. Oups là. Bonjour. Non. Ok. Au rond-point, prenez la quatrième sortie. S'il te plaît, prenne. Putain, mais t'es le P1 ou merde. Elle est où la route. Ok. Et il faut faire attention aussi. À 400 mètres, tournez à droite.
400 mètres, tournez à droite. Ouh! On a réussi! Nickel! Bon, je pense que c'était vraiment limite. Mais genre, comme ça, tu sais. Genre, là. Limite. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, tout le monde, ça aurait été un épisode assez court. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Et que maintenant, vous allez aussi me partager de votre côté des défis collector. Ça pourrait être sympa. Bon, bien sûr, il faut que vous faisiez partie du club. C'est beaucoup plus facile pour les rechercher. C'est peut-être aussi une petite pub pour le club. Forza sur la chaîne n'est pas mort, ne vous inquiétez pas, etc. etc. Hein. C'est juste que Need for Speed Payback est quand même assez destriant. Un truc comme ça. Bye tout le monde pour une prochaine vidéo. C'était Kimi.